Ça c'est un vlog en direct live les mecs. Vas-y, journal bio. Non, non, moi je sors pas. Si. Bah vas-y. Bah, moi je peux pas, je suis dans la caméra déjà. Allez hop, regarde. Non, je veux pas. Regarde, il y a passé sauvage qui te montre les pas. Tu sais faire, regarde. C'est très facile, journal. Tu vas découvrir le mouvement. Tu sais faire ça? C'est parce que tu passes la serpillière en fait. Après, je rajoute les bras. Ça passe en premier carte. Oui. C'est la danse en plus. C'est vrai que tu danses toujours comme ça. Hein? Tu danses toujours comme ça, quelle que soit la musique. Quelle que soit la musique, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et puis après, ça passe toujours. Ça monte, ouais. Comme ça, et après, ça va descendre énormément. Tu l'as fait tourner aussi? Oui. Tu dois la faire. Sans y aller d'un coup franc. Ouh, je sors la tête. Oui! Wow. Bravo, bravo. Je sais pas d'autres danses, hein. Je vous ai mis 10 heures, j'en ai qu'une. J'arrive à faire un daily vlog par jour avec. Pendant un an. Mais il y a des trous là-dedans. Ouais, ça va, ça va. On a vu dit ça comme le... Hein? Vu comment ça finir. Bah après je vous mets des trucs qui bougent un peu là. Ouais. Hein? Bon, ma maman elle a jamais fait ça, la tienne. Ah ouais. Ta maman t'a préparé la crèche. Le truc bois. Ah oui, t'as préparé ça. Ouais. Mais en fait c'est la poêle, non, Laetitia? Pardon? C'est la poêle qui s'attache pas. Ouais. Ça c'est une méchante poêle, c'est trop bien. C'est les poils à l'ancienne, ça. C'est... Ah, elle est bien, celle-ci. Très bien. Bah non. C'est plus belle. Plus belle chanson. La plus belle. J'avais dit, je mets une chanson qui bouge, mais elle bouge pas, celle-là. Elle est belle. C'est Arthur H. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'Arthur H? Qu'est-ce que je pense d'Arthur H? Ouais, c'est l'homme de ma vie, Arthur H. Arthur H, appelle-moi. 0672. J'adore Arthur H, j'adore. De vloguer pour quelqu'un d'autre, c'est vachement marrant. Oh, truc de fou, tu l'as eu? Je crois pas. On dirait qu'elle tombe dans le même sens en fait. Non. La crêpe parfaite. Tu dis c'est un mec de la musique classique. Non mais t'avais dit c'est un événement de meuf bio. C'était quoi? C'est un événement de... Ouais, c'est un truc de meuf bio. Bah ouais, mais c'est ah, okay. C'est un truc de meuf bio. Le pique-nique zéro déchet, c'est un truc de meuf bio. Non, c'était un... quoi? Ça devrait pas être un truc de meuf bio en fait. Ça devrait être un truc de famille bio. Ouais. À la limite, les meufs bio. On parlait des pique-niques zéro déchet. C'est pas un truc de meuf bio. Oh non, c'est pas bio. Oh non, non, j'ai que sur tout le monde. Et de plus en plus, monsieur. Bon. Ouais, j'ai eu des monsieur tout seul. Ouais, monsieur. Mais t'es vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, mais au fur et à mesure des pique-niques, il y en avait de plus en plus. Ouais. De plus en plus, je sais pas, mais il y en a eu. On en a eu quelques-uns. Vous voulez de la musique, genre, de la musique. Que. Voilà. Vous voulez de la musique, genre. On dit quoi? On s'est compris, allez voir. Hein? Ou bien je peux mettre Barbara, c'est un petit peu plus calme. Et quand est-ce que tu nous fais une démo de salsa? Je danse dans certains vlogs. Hein. Tu danses en salsa? Bah, je suis une salsateuse depuis 10 ans. Ah, je sais pas. Ouais, elle montre pas assez dans ses vlogs. Elle montre surtout la danse là. C'est les seuls moments où je suis bonne dans ma vie. Tu sais que Faridou fait de la salsa. Non, ça, moi j'ai le sel. Mais arrête, c'est les seuls moments où je suis en robe de biatch, talon, maquillage, cheveux. Ouais, mais on voit avant. Je préfère faire à la mongole.
Ah ouais, j'aime bien, mais quand on me laisse des commentaires sur mes vidéos du genre tu sais vraiment pas danser et tout, j'aime trop, ça me plaît plus que... Tu sais que sans frottage, quand tu danses un zouk, le mec il se frotte, ouais. À un moment donné tu sens un truc où c'est chiant. Dans la kizomba. Dans la kizomba, c'est pas là-dedans parce qu'en fait, c'est pas positionné pareil. Un zouk, on va être face à face. Tu vois ? Et la kizomba, on va être comme ça. Et en fait, c'est nos jambes qui vont se. Tu vois ? Yeah ! C'est dans mon micro. Et on va faire la première collab. On invente un concept. On invente un concept, Raj et moi. Attends, mais attends, le tag. Bah, t'en es dans tag. Deux concepts inventés. Prometteuse d'amitié. Allez, on est un petit peu. T'es qu'est-ce que c'est un truc là, non ? Je suis en train de chercher. Oh là là, oh là. Ah, c'est peut-être son truc. Ouais, c'est ça, je vais le. Celle-là, les mecs. C'est de la musique. C'est vraiment un vlog. Hein ? C'est comme chez toi. C'est comme chez moi, et en plus, c'est même mini. C'est pareil. À chaque fois. Hein ? Oh. Le or, tu l'enlèves. Tu le laisses d'habitude. Genre. La meuf qui a l'habitude de pas avoir d'amis. Qui vit avec elle-même dans sa cuisine. Ça c'est ma playlist qui s'appelle préférée de ouf. Parce qu'en fait j'ai une playlist, elle s'appelle préférée. Et une autre, elle s'appelle genre préférée de ouf. Oula. Non, mais non! Elle fait des effets vidéo! J'essaye, ouais. Là. Allez, calme. Ah, celle-là est merveilleuse, Un autre. Et moi je tremblais, rien que pour toi. Comme une folle, je voulais danser le rock'n'roll. Oh baby, 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 je suis heureuse assise ici. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien plus bas qu'un théorème. On va se marier, c'est toi qui t'en rends compte. C'est quoi ? T'as pas les paroles du tout. Ah, ah, je fais tout le temps semblant de connaître les paroles, je les connais jamais. Mais tu l'avais, t'as pas le début. J'essaie de convaincre de danser. Toi. Oh, ah ça, et toi là, comme ça. Toi. Toi là, là, la Renoir là. J'essaye de faire l'escalier. Attends, vas-y, vas-y, on va l'escalier. Est-ce que ça a gagné le plus pourri de ça? Cachette. Tu tiens un journal? Non, je tiens pas de journal. Ah, merde. Oh. Donc c'est parti de là. Mais faux. Mais j'ai pas un carnet. Un petit Moleskine, un journal à soi-même. Ouais. Oh, moi j'ai pas de. Mais moi j'ai plein de carnets où j'écris, mais. J'écris quoi? Notes. Bah, tout ce que je pense. Enfin, ah oui, ça c'est bien. Moi, c'est plus des notes. Ça va pas du tout, ça, hein. Et sauvagement, j'ai donné tous les noms de la non. Terre et encore de 30 secondes. Arrête. Ah non, je continue. Non, c'est moi maintenant. C'est toi le chef? Oui. Vas-y. Voilà. Bravo. Coucou, bonjour. Alors là, je t'explique comment il faut faire tourner la crêpe. Oh là écoute, là. Mof. Écoute, mof. Regarde, mof. Regarde. Mais bio, mais bio. Regarde, mof. Ouais. Ah. C'est moi là. C'est bien parce qu'il m'a dit, la seule que j'ai pas écoutée, c'est la dernière. Je pense qu'il me ment. C'est des Allemands qui chantent. Et vous allez voir comme c'est beau. C'est en français. Voilà. Oui, je me souviens. Ah. Vas-y, c'est très bien. Et maintenant, non, c'est bon, maintenant, voilà, étale. Je veux dire.
Encore un tout encore, petit encore. Peu. Attends. Voilà, merci. Mais c'est rattrapable. Voilà. Voilà, en fait, il nous a fait un pain indien, le mec, il nous a fait un âme. Un âme au fromage. Tu peux la retourner, c'est bon, parce qu'elle va commencer à cramer là. Ah, très bien. Coucou Rinette, vous pouvez t'harceler un petit peu encore. On fait des crêpes, tu veux pas venir manger avec nous? Allez, viens, on est à Montmartre. Là, on est en train de faire de la sauce chocolat. Bio. Pas bio. Quoi, je sursaute tout le temps. Je sursaute parce que tu m'as fait peur alors que je savais que tu étais dedans. On fait comment? Alors je pense qu'il faut faire au feu doux, à mon avis, ouais. Très doux. Comment on pourrait diluer avec de l'eau? C'est un peu bizarre. Ouais, mais... quand tu mets un tout petit peu, ça passe. Ouais, ça peut marcher de l'eau. De l'eau, du beurre ou... T'as besoin d'aide quoi? Non, ça du beurre, c'est mieux, non? Ouais, mais ça fait double fat quoi. Mais c'est pas grave le beurre, c'est bon. Et tu remues, et tu remues. Je vais te déranger, Raj. Tu peux pas sur la table? Alors ici, oula, c'est bizarre cette histoire. Je viens de capter un moment très gênant. Je fais un petit montage bien sympathique du moment où Raj demande à Sun, tu veux pas passer sous la table? Et que le type dit c'est trop bon. Et tu me fais une bonne vignette avec tu Sun passe sous la table. Ce sera le titre. On la trouve. Un petit peu putaclic. Et voilà, monsieur. C'est un mois là. Et voilà. Ah, tu l'as dit, on avait le droit de mettre un titre putaclic s'il y avait de la qualité de. C'est beau ça. Non, mais tu vois, voilà, ton minimalisme, c'est de faire la casserole plutôt que la bouilloire. Ah ouais. T'as une bouilloire? Non, monsieur, c'est supportable, mais c'est bizarre. Ça sent juste l'orange. Ouais, ça sent beaucoup l'orange. Mais tu sens un goût ou pas dans le... Mais c'est léger, hein, sous le... Non, ça m'inspire pas. On peut voir si tu sens un goût. Non, ça m'inspire pas. L'odeur, ça me... C'est parce que c'est de l'orange. Ouais, c'est l'orange. Donc on utilise là. Clairement. Il faut faire semblant. Je bois. Et toi, Raj, tu écoutes de la musique? Oui, Laetitia. C'est vrai, mais t'as dit non tout à l'heure, tu faisais une. Bah oui, mais c'est pour changer. Non, j'écoute, mais... Mais t'as des loisirs, bah, j'écoute jamais de la musique plus pour écouter de la musique. J'ai pas de loisirs. Alors là, il est 4h du mat. Il est 4h du mat, hein. Quasiment. Donc tu peux repérer la super dégaine de Clotilde de 4h du mat. Bravo, Clo-Clo. Enchantée. Tu peux voir également que au niveau des gaines, on est bien aussi par ici. Cette parisienne. Ça va parler, à parler ouais. Tatane. C'est soit t'as la classe, soit tu l'as pas. Voilà. Et alors là, on est en pleine réflexion parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait. Il y a deux teams. Il y a deux teams. Je te laisse deviner qui est la team Vélib, les gens cool, et la team Uber, les gens paresseux. Bah, je pense que c'est les deux qui ont les yeux qui s'illuminent, à savoir. Donc c'est soit on vit la vida loca et on fait du Vélib, soit... Soit on vit la vie la dolce vita. Bon, il y en a une qui est en train de se barrer du plan là. Non mais c'est vrai, en fait il y a deux manières de réfléchir. Soit tu te dis, je dis oui à tout. Zoom plus près encore. Ah, je suis assez près. Encore. Attends, non mais sinon vous êtes pas hors cadre. Soit tu te dis je dis oui à tout et je dis oui à la vie. Je suis qu'amour. Je chante la vie. Soit tu te dis je mets mon cul dans un Uber. À un moment donné, il faut faire des choix. Si t'es du Edouard Baird, toi. Exactement. Tu l'aimes bien? Un peu. Ah non, faut que ça au moins une demi-heure. Non, non. Amical. Justement, c'est pour ça que je suis pas. Mais ah ouais, c'est. Clo-Clo, c'est la première fois que je te vois déprimée. Il est 4h du mat et on est là. C'est pas magnifique, on est au Louvre. C'est ça la vie, en fait.
C'est juste des petits moments comme ça qui te rendent vraiment heureux, quoi. Écoute, je pense que dans tous les cas, cette soirée, partie comme elle est partie, il peut se passer encore beaucoup de choses. Dans une heure. Allez, donc on visite Paris. Là, on passe juste à côté du bas du Rosa Bonheur, c'est-à-dire la péniche où on était la dernière fois. Et la boucle est bouclée. Ah, bah là, c'est zéro sélénite. Là, c'est très bon, là. Très, très bon pour les graisses tenaces de cuisse. C'est assez impressionnant d'être sous la Tour Eiffel la nuit, quoi. Le soleil se lève dans une heure. On est en forme, t'es en forme ou pas? Moi je suis en forme moi. T'es en forme? Bah ouais. Clairement. Moi aussi je suis en forme. Clairement. Clairement. Donc là, petit conciliabule. On part, on part pas, on part, on part pas. Bah allez, on continue. On continue? Et dès qu'on voit un tout petit peu de soleil, on s'arrête. Ok. Regarde, on est comme c'est beau. Histoire de passer des petites culottes sur la route. Quelle jolie temps. Culotte gratuite. Se dire au revoir. Là, on vous explique. Attention, c'est le montage, je risque de couper. Hein. Non, mais c'est très intéressant. On est venu voir le lever du soleil. Et on vient de s'en rendre compte. Il fait plein jour. On réalise qu'on l'a pas vu toujours. Donc, on verra. À la limite à midi. C'est peut-être parce qu'on est un peu bas et qu'il y a des gros bâtiments et qu'on est à Paris. Mais j'avais pas pensé. Le temps d'illuminer.